Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays étaient en rencontre ce matin à Ouagadougou. Une rencontre préparatoire de la réunion du comité de suivi du TAC, le traité d'amitié et de coopération Ivoiro-Burkinabé. À l'issue des travaux, les deux ministres ont rendu compte au président du Faso. Parmi les sujets abordés au cours de cette rencontre, l'on peut citer celui du parc national Montpeco, habité par des ressortissants burkinabés en Côte d'Ivoire. Et à ce sujet, il est annoncé un recensement des personnes concernées. Ouverture ce matin à Ouagadougou de la conférence internationale sur l'élimination des mutilations génitales féminines MGF en Afrique d'ici à 2030. Cette conférence est initiée par l'Union africaine en collaboration avec l'UNFPA et l'UNICEF. Les épouses des chefs d'État, princesses et autres représentants des organismes régionaux et continentaux ont pris part à cette rencontre. Elle se veut un cadre pour stimuler les politiques et actions politiques en faveur de l'accélération de l'élimination des MGF. Si vous cherchez à faire fructifier votre argent, eh bien souscrivez à l'emprunt obligataire lancé par l'État burkinabé. À travers cet emprunt, le Trésor public espère récolter plus de 75 milliards de francs CFA pour financer des projets du PNDS. Cette opération est la deuxième du genre. Elle est ouverte à toute personne physique et morale de l'espace UEMOA et aux investisseurs. Le montant de l'obligation est de 10 000 francs CFA avec un taux d'intérêt annuel de 6,5%. En Angola, au moins 380 000 migrants clandestins, pour la plupart originaires de la République démocratique du Congo, ont quitté l'Angola dans le cadre de l'opération Transparence de lutte contre le trafic de diamants. Selon le ministre d'État responsable de la sécurité, Pedro Sebastião, des diamants d'une valeur de plus de 2 millions de dollars ont été saisis. Cette opération va permettre d'assainir et de contrôler le secteur du diamant. Plusieurs Congolais affirment avoir été contraints sous la torture et la menace de quitter l'Angola, chose que dément le ministre de la Sécurité. Le fantôme de Jamal Khashoggi hante toujours l'Arabie Saoudite. Le royaume wahhabite est de plus en plus acculé après avoir reconnu la mort du journaliste critique Jamal Khashoggi, tué dans le consulat saoudien en Turquie à Istanbul. La chancelière allemande Angela Merkel réclame que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Elle demande le gel des ventes des armes à l'Arabie Saoudite. En Grande-Bretagne, on demande aussi des comptes à Riyad pour cet assassinat. La fiancée de Jamal Khashoggi bénéficie désormais d'une protection rapprochée permanente. Voilà, c'est tout pour ce flash. L'information revient à 19h et à 20h.